Bonjour les caméléons, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous revenons sur une nouvelle vidéo Darwin Project. Et oui, hier j'ai fait une vidéo sur Fortnite. Là j'avais des vieilles vidéos de Darwin Project, donc des vieilles. Voilà. Donc du coup, ben, je vous ai fait 4 parties, voilà, 4 victoires. Et vous allez voir des scénarios différents. Avec un scénario incroyable. Et surtout que la dernière avec beaucoup de kills, hein, bien sûr. Donc vous suivez toute la vidéo. Parce que là, vu le confinement, ben, je vais essayer de vous divertir. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, laisse un petit like. Et surtout, ben, allez voir les autres vidéos que je laisse en ce moment. Je vais essayer aussi de faire un peu de FIFA. Voilà, pour vous divertir. Parce que je sais que le sport, ça vous manque un petit peu. Et donc du coup, voilà. C'est simple. Donc là, vous avez vu, je suis en train de traîner. Nous sommes plus que 5. Alors, je sais qu'il y en a qui connaissent pas Darwin Project. Donc, je vais vite expliquer les règles avant de commenter et un peu faire rigoler les gens. Voilà, nous sommes 10. Faut faire top 1. Tout simplement. C'est pas compliqué. Là, c'est une partie où je suis avec Kiki. Voilà. Donc, faut savoir qu'on s'affronte. Il faut savoir que nous, on. Voilà, nous on doit s'affronter, on s'affronte. On ne fait pas comme beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, c'est ça qui nous énerve un petit peu, qui sont là et qui s'affrontent pas. Donc ça veut dire qu'ils se mettent à 2 ou à 3, ils finissent à 2 ou à 3 et après voilà, ils finissent leur combat à 2. Donc c'est un peu nul, c'est dommage. Après c'est vrai qu'il y en a s'ils veulent tamper le top 1, c'est vrai que c'est bien. Mais le top 1 ne compte pas au niveau partie personnalisée, pardon. Donc voilà, donc malheureusement pour juste pour une petite aparté, ben voilà, vous voyez le youtubeur qui m'a éliminé et on va aller sur la vue de Kiki. Et malheureusement c'est une partie où en fait on était 10, donc on était plus que 6 ou 7, je sais plus. Il y a une équipe des 3 et l'équipe des 3, ben ah oui, ben oui, on était plus 7 et moi j'ai éliminé 1 et j'ai fait top 6, c'est ça. Et du coup, ça fait que. Donc l'équipe de 3, moi j'ai éliminé un et bien sûr les deux autres, ben, ils m'ont déchiré la gueule. Donc du coup, ben, je suis éliminé. Donc du coup, ben, Kiki s'est retrouvé tout seul contre une équipe de 2 et une autre équipe de 2. Et il est arrivé à faire le top 1. Et malheureusement, j'ai oublié de l'enregistrer, je suis dégoûté. Pour le faire montrer, c'était magnifique. Il les a éliminés les 4. Il a éliminé les 4 joueurs. C'était incroyable. C'était... Il est trop fort, Kiki. Bon bref. Voilà, c'était une petite aparté. Allez, maintenant on va commenter cette vidéo. Et là, vous voyez Kiki qui attaque le YouTuber qui m'a éliminé en sachant que j'ai fait top 4, la médaille du chocolat. C'est pour ça que j'ai toujours un petit ventre d'ailleurs. Et attention, regardez, Kiki qui va essayer de le retrouver, mais malheureusement... Eh oui, malheureusement, regardez, il est toujours pas là. Aïe, 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 aïe. Il a perdu de vue, mais voilà, c'est le combat final, la mort subite entre les trois joueurs, entre Kiki, le youtubeur, et TSK, si je me trompe pas. Et du coup, ben, là, on va voir qui va remporter cette partie. Bon, je vous l'avais dit dès le début, voilà, il n'y a que des victoires. Donc c'est Kiki, mais comment va éliminer Kiki les joueurs? Ça, c'est une très belle question. Et vous allez voir que c'est incroyable. Ils vont se toucher tous ensemble. Kiki va toucher tout le monde. Ça va être un truc de fou. Voilà, préparez-vous et moi je vais commenter ça. Allez, attention. Et Kiki, attention, Kiki qui cherche le youtubeur qui est là. Et Kiki qui tape sur le youtubeur. Mister, ben, on va l'appeler Mister d'ailleurs. Mister qui met la tourelle parce que je rappelle que dans ce jeu, il y a beaucoup de pouvoir et il y a une particularité. On peut avoir des tourelles comme sur Royal si je ne me trompe pas. Et attention, Kiki qui cherche le joueur. Le joueur qui est perdu. Ouh, la zone est interdite. Attention, je rappelle que c'est la mort subite. Donc la zone bouge très fréquemment. Donc là, on l'a vu, elle a bougé. Du coup, Kiki a pu s'en sortir. Mais il se retrouve vite fait dans la zone interdite parce que la zone, je vous rappelle, elle bouge. Et attention, Kiki va essayer de se ressoigner parce que regardez, il va commencer à avoir froid. Du coup, ça va prendre sa santé. Donc là, Kiki qui se soigne. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un joueur qui va l'attaquer? Malheureusement, ah si, voilà, ils l'ont attaqué. Et du coup, le youtubeur qui a essayé d'attaquer, mais Mister était là aussi. Et du coup les trois se tapent dessus. Et du coup, et là regardez le youtubeur qui sait tout de suite Kiki mais qui ne le touche pas. Et là vous avez vu le Mister a mis la boule. Et regardez il est tout en bas. Et là Kiki qui avait attendu juste ça. Allez détruit la tourelle, ça c'est magnifique. Attention Kiki, oh là là, ils se sont tapés deux. Et du coup Kiki qui est parti hors de la zone. Et du coup Kiki maintenant qui est à la recherche des deux autres. Parce que le youtubeur il reste planqué assez, et ou sinon il saute au-dessus des gens. Voilà, il tape pas lui. Lui, pour me fracasser, il m'a fracassé, mais là,
Et là, il est perdu un petit peu pour ce top 3, cette mort subite. Allez, attention, Kiki qui se soigne avec un feu de camp. Ça, c'est très bien joué de la part de Kiki, mais malheureusement pour lui, il se fait voyant. Et regardez, voilà, le youtubeur qui était encore à côté de Kiki, mais qui n'a pas touché Kiki. C'est ça qui est incroyable. Les deux autres sont en train de se taper, mais malheureusement pour lui, voilà. Allez, c'est touché, mais heureusement que Kiki a tapé en même temps. Du coup, les deux joueurs ont pu. Et attention, Kiki qui tape le youtubeur. Est-ce qu'il va éliminer le youtubeur? Il élimine le youtubeur. Kiki se retrouve face à Mister. Le Mister, il est où? Regardez, il a mis la tourelle. Attention, est-ce que Kiki va se faire toucher par la tourelle? Oui, non, il l'a détruit avant, juste heureusement. Et Kiki qui remporte cette victoire. Et ça, c'est magnifique. Allez, attention, on va commencer sur la deuxième partie. Donc la deuxième partie, maintenant, je suis tout seul. Il n'y aura plus Kiki, je suis vraiment tout seul. Allez, attention, ça part dans maintenant. Donc survivez, voililà, bien sûr. Donc je reprends du Darwin. Je prends tranquillement et vous allez voir que petit à petit. Et surtout la dernière partie. Alors la dernière partie est incroyable parce que je vais faire beaucoup de kills. Donc restez bien jusqu'au bout. Je rappelle que j'ai une page Facebook, le MC Maiku. Donc d'habitude je mets beaucoup de sondages. Mais bon, vu le contexte, eh ben, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais voilà, ceux qui tombent dessus, allez dessus. Et je vais reprendre les sondages quand il y aura les sondages. Quand il y aura le sport qui reprendra, qu'on pourra ressortir de nouveau. Là vous voyez, hop. Et là vous voyez en bas, il y avait quelqu'un, je l'avais même pas vu. Donc je vous rappelle, voilà, les pouvoirs là, vous le voyez, les pouvoirs, moi je peux voler. La personne qui va m'attaquer est invisible, donc vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Et il y a aussi le grappin, donc pour grimper, tout simplement. Allez, regardez, il a tenté de m'attaquer, du coup, regardez, là il se met invisible. Mais par chance, du coup, alors là je me suis arrêté, parce que là du coup il s'est arrêté, il s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il y a des petites quêtes à faire, donc c'est de lancer des boules de neige, donc sur des joueurs. Donc j'avais pas vu que c'était plusieurs joueurs, donc je vais le retenter là, regardez. Je vais le retenter, mais je suis bête. Voilà, et lui aussi il me l'a tiré aussi, c'est parce qu'on avait le défi. Donc sûrement aussi il avait le défi. Donc c'est comme Fortnite, il y a le défi quotidien, défi pour le bataille royale, tout ça. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je suis pas allé, donc il faut que je grimpe un peu tout ça pour récupérer un peu des choses. Bon, bref, c'est ça, c'était. Voilà. Et là, vous voyez un troisième joueur qui arrive. Le troisième joueur, donc nous sommes plus 4, donc on aurait pu faire une finale les 4 ensemble, mais finalement on est 3. Donc, plus sur les 4, on est 3 joueurs en train de se frapper dessus. Et là, regardez, lui il a voulu me taper dessus, et du coup, l'autre l'a récupéré. Moi, je fais une flèche en attendant, regardez. Et le caméléon qui chasse, qui n'abandonne pas la bataille, attention, regardez, et le peu, et non, finalement, on s'est tapé en même temps, et là, et on se tape, non, on se tape pas en même temps, et là, je l'ai touché, ça c'est beau, allez, attention, oh, regardez, voilà, invisible, la particule est invisible, et la deuxième qui a voulu attaquer, Maiko qui est toujours là, et la personne violette est partie, donc du coup, Maiko se retrouve, et l'élimination à la flèche, sur sa magnifique, sur ses magnifiques. Et ouais, hier vous l'avez vu là, à la pioche, et aujourd'hui vous le voyez sur Darwin, bah, la pioche sur Fortnite, et là vous le voyez à la flèche, tranquillement. Et là regardez, et c'est parti. Attention, Maiku. Voilà, et là heureusement que je peux voler, du coup j'ai pu aller de l'autre côté. Alors c'est ça aussi que je comprends pas, vous allez voir, je vais me soigner. Et du coup, en me soignant, alors là pareil, j'ai lancé la boule, mais je savais pas que c'était qui, je me rappelais plus à qui j'ai lancé. Et surtout que je ne sais toujours pas que c'était plusieurs parties dans plusieurs joueurs différents. Bon bref. Allez, attention, Maiku, qui chasse et qui tombe. Où est la personne? Du coup, qui tourne. Il va espérer. Regardez, l'autre personne me poursuit. Donc elle sait où je suis normalement. Elle sait où je suis. Donc du coup, vu que j'avais que mis le truc là-haut, du coup, je sais qu'il était là-haut. Regardez, il y a la tourelle. Il y a. Hop, il est toujours pas là. Il se cache toujours. Où est-il? Où est-il? Attention, Maiku, est-ce qu'il va réussir à se faire toucher en premier, ou est-ce que c'est lui qui va trouver la personne, l'adversaire en premier? Telle est la question d'en ce moment. Regardez, c'est la mort subite. 1 contre 1. Attention, Maiku qui cherche. Il cherche. Et là, il est obligé de sauter. Il va essayer de l'aller de là-haut. Et là, j'ai pas fait exprès, mais malheureusement, je suis tombé tout en bas. Est-ce que ça va être bon pour lui? Et là, du coup, et la personne qui surgit, qui était cachée, qui l'a vu, et du coup, elle a voulu me prendre en sous vitesse. Mais malheureusement pour lui, regardez Maiko qui réfléchit, qui travaille. Alors que ça, c'est vrai que maintenant, c'est vrai que c'est des vieilles parties, et c'est vrai que maintenant, j'arrive à mieux à utiliser les pièges. Bon, malheureusement, c'est que là, j'avais pas beaucoup de pièges, mais là, s'il y avait des pièges, lui, il était foutu. Juste avant, il était foutu. Et là, attention, et je le tape. Bon, malheureusement, il me tape en même temps. Regardez, il est invisible. Il me tape. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça, c'est la partie invisible pour la fin. Ça, c'est super.
Mais bon, malheureusement pour lui, c'est qu'il peut pas grimper pour les toits pour récupérer des coffres. Allez, attention, attention, je vais lancer une flèche et regardez, c'est encore une fois, il se remet invisible. Et attention, Maïkou qui tape, boum! Et là, qui le flamme faiblit et c'est la victoire. Allez, troisième partie de cette vidéo. Allez, c'est parti avec survivre. Allez, bon, bien sûr, ben, au début, ben, toujours personne. Je rappelle qu'il y a 7 zones, nous sommes 10, donc c'est normal qu'il y a 3 zones où ça peut se fight et les autres c'est plutôt un peu plus cool. Et là, regardez, c'est le fight, donc du coup, oui, voilà, moi j'avais quelqu'un avec moi. Et là, pouf, et la petite flèche qui passe, et la petite. Et là, du coup, regardez, il s'en, il fuit, il fuit, il fuit. Trouillard. Et voilà, Maïkou il est là. Maïkou il est là, le caméléon. Alors là, j'aurais pu l'éliminer, mais largement. Et c'est là où on voit que je suis vraiment un amateur de jeux vidéo. Et attention, Maïkou qui essaie de lancer une lâche avec son adversaire aussi. Là, ça tourne, ça tourne, ça clash, ça tire, ça essaie de tirer des flèches. Et Maïkou qui touche l'adversaire, qui touche le Mister Bleu. Et là, bon, là, je sais pas pourquoi il a dû avoir un problème avec la pierre du coup. Maïkou qui élimine un adversaire. Ce joueur est très impeccable dans cette fonction. Il a compris tout au jeu. Et du coup, il va essayer de se faire. Donc déjà, je suis dans le top 3 pour regarder, on le voit. Donc dans le top 3 avec un kill. Bon, c'est pas mal, hein, sachant qu'il y a 10 joueurs au départ. Un kill dans le top 3, c'est pas mal. Si on peut en avoir plus, c'est un peu plus, ce serait un peu plus cool. Hein? Allez. Attention, Maïkou qui se cache. Il essaye de chercher où sont ses adversaires. Parce que je rappelle qu'il y a 2 zones. Alors je sais qu'il y en a un. Voilà. Je sais qu'il y en a un. Qu'est-ce qu'il va faire, Maïkou? Alors d'habitude, il attaque. Là, qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'avais attendu. J'avais attendu parce que en fait, on se trouve à côté d'un volcan où si on tombe dans le feu, on meurt. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu pour voir où était la zone. Tout simplement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Regardez. Je suis parti sur le côté. Tranquillement. Mais sûrement. Ah oui, c'est vrai que je voulais récupérer du feu parce que pour mon feu, mais j'ai oublié. C'est vrai que juste avant, on s'était affronté avec le jaune et que lui, il était très bien. Et en fait, moi, pourquoi j'ai récupéré toute la vie, c'est que voilà, vous voyez, la personne est en fait, elle a dû tomber dans le. Ah non, non, elle a. Ah oui, bah avec le jaune, ils se sont fight. Donc, du coup, ok, d'accord, les deux se sont fight. Ah oui, c'est ça. Voilà pourquoi j'ai pas attaqué parce que je cherchais le. Voilà, regardez, j'ai cherché le truc vert. Parce que j'avais un défi à faire, faire un feu, tout simplement. Et là, vous voyez, victoire. Ça veut dire que les deux se sont affrontés où il y avait le feu. Et l'autre, il avait un pouvoir, peut-être invisibilité. Du coup, il pouvait pas voler. Du coup, eh ben, la zone, eh ben, elle a dû le tuer. Donc, du coup, il est tombé dans le feu. C'est comme ça que j'ai remporté une victoire. Bah, tranquillou. Hein? Et du coup, d'ailleurs, ça m'a compté les deux kills. Pourquoi? Parce que sur les deux, il y en a un que j'avais touché. Donc du coup, comme j'en avais un que j'avais touché, donc c'est moi qui a remporté le kill. Voilà. Bon. C'était une petite parenthèse. Là, j'attends parce qu'il y avait du bruit. Je savais pas où était la personne. Je sais qu'il y en avait une qui était à côté de moi. Voilà, il y en avait même deux qui étaient à côté de moi, tout simplement. Et là, on le voit. Regardez, il est juste là. Et là, ça y est, c'est parti pour le fight avec Maïkou. Là, vous avez vu, il est doré. Alors, je savais pas pourquoi il est doré. Est-ce que parce qu'il a récupéré beaucoup de Darwin et je sais pas. Est-ce que c'est un de ses pouvoirs ou je sais. Je sais pas du tout. Et c'est juste après que je sais pourquoi il était doré. Mais voilà. Ça, je vous en parlerai plus tard. Et du coup, attention, Maïkou qui touche son adversaire. Attention. Et Maïkou, lui, on l'a pas touché beaucoup. Mais malheureusement, c'est qu'il a pas beaucoup de feu. Donc, il est obligé de rester à côté. Et là, vous voyez, regardez, il y a une deuxième là-bas. Et là, il m'a touché avec. Voilà, il m'a touché avec le truc. Et l'autre personne, elle est partie, je ne sais pas où. D'ailleurs. Et du coup, aïe aïe aïe, et le feu s'est éteint, et l'élimination, élimination, et ça, c'est magnifique. Allez, premier kill pour Maïkou, nous sommes plus que 6. Et là, regardez, là, je regarde où ils sont, il y en a un juste à côté de moi, vous le voyez, j'étais tout en bas à droite. Il y avait un juste à côté de moi, je le cherchais, je l'ai trouvé, et j'ai attaqué, tout simplement. Voilà, vous avez vu tout à l'heure, j'ai pas cherché, mais d'habitude, j'attaque, et j'y vais, et j'ai remporté tout ça. Et du coup, j'ai mis tout à fond, et là, je suis à fond. J'ai toutes mes capacités, je suis tout à fond, ça c'est nickel. Ça c'est bon pour moi pour la suite. Là il y avait un feu donc du coup je me suis mis au feu, tranquille. Pour garder ma fraîcheur. Là je suis poursuivi, j'ai fait exprès d'ailleurs. Je le fais vraiment exprès pour qu'ils viennent vers moi.
Et du coup, regardez, voilà, là vous avez vu, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, et du coup, allez, une petite flèche, allez, deux petites flèches. Bon, lui il m'a mis une flèche parce que j'ai pas bougé beaucoup, malheureusement. Et du coup, regardez, et là il s'enfuit, regardez comment je vais le tuer, vous allez rigoler. Bon, je l'ai loupé là maintenant, mais vous allez voir, je vais le tuer tranquillement, il arrive, poum, voilà, en l'air, ça c'est fait, ça aussi. Alors là, dans cette partie, il y a des kills différents. Là, vous pouvez pas, hein, m'insulter en commentaire. Voilà, merci. Allez, attention, Maiko qui se retrouve à 1 contre 1 avec son adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je rappelle qu'aussi, pareil, je fais les défis comme Fortnite, hein. Donc, moi, quand je fais une partie, je fais les défis. Donc, là, il y a des défis à faire. C'est pour ça que j'ai fait des défis. Du coup, j'ai une case en moins. Voilà, quand vous voyez en bas, ceux qui connaissent, voilà, j'ai posé des pièges, j'ai fait mes trucs, j'ai lancé, je sais pas quoi, il y avait plus, je sais plus c'était quoi mes trucs. Mais voilà. Donc, là, j'ai posé ma tourelle, tranquille, on sait jamais. Là, je vais récupérer des flèches. Non, je vais même pas récupérer les flèches. Là, je suis tranquille. Alors là, je récupère encore ça sert strictement à rien. Voilà, merci. Là, bah, écoute, t'étais pas fameux, fameux, hein. Alors là, je cherche toujours, je cherche toujours. Là, vous allez me dire, oh là là, il va être coincé. Et finalement, regardez. Voilà, la zone, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la mort subite. Donc, la mort subite, la zone, elle bouge. Et du coup, la zone, elle bouge. Et regardez, bim! Et attention, victoire. Et là, c'est l'heure de vous dire la suite au prochain numéro.